Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée par Jérémy, un membre qui souhaite rejoindre notre communauté FXCR. Et Jérémy souhaite savoir si une stratégie basée sur l'ADX, c'est un indicateur technique très connu, est une bonne stratégie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement pourquoi il ne faut pas utiliser l'ADX comme indicateur, en tout cas comme outil pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir placer ses trades et comment utiliser efficacement ce fameux indicateur qu'est l'ADX. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que notre service de copy trading FXCR est toujours disponible. Pour une durée limitée, notre service est disponible pour 1 euro durant 14 jours. Alors, c'est un service qui vous permettra de recevoir automatiquement chaque jour plusieurs signaux de trading, des signaux que vous allez recopier. Vous aurez donc les take profits, vous aurez les stop loss, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir gagner des revenus de manière passive. Vous n'aurez plus qu'à recopier nos signaux de trading sur votre plateforme, la plateforme de votre choix. Ça peut être XTB, comme ça peut être une autre plateforme, puisque les signaux seront les mêmes. Nos signaux rapportent à nos élèves des taux de réussite de plus de 70%. Vous allez pouvoir tester notre service de signaux trading sereinement pendant 2 semaines pour la petite somme de 1 euro. Pour ceux qui ont posé la question, oui, vous allez pouvoir démarrer avec un faible budget puisque un budget de 200 euros, 300 euros est tout à fait suffisant pour pouvoir se lancer en forex. Évidemment, vous n'allez pas faire fortune avec nos signaux en 1 mois, mais en revanche, vous allez pouvoir faire fructifier tranquillement votre capital. Donc, ce service est vraiment dédié à tous ceux qui n'ont pas le temps aujourd'hui de réfléchir pour pouvoir passer leur trade eux-mêmes, puisqu'effectivement, le day trading, en tout cas, cela demande du temps. Donc, si aujourd'hui vous avez des obligations personnelles ou professionnelles qui font que durant la journée, ben, vous n'avez pas forcément le temps pour placer vos trades, vous n'aurez plus qu'à recopier les trades que nous vous envoyons. Vous envoyons en général entre 2 et 5 signaux de trading par jour. Du coup, vous n'aurez plus qu'à réutiliser ces signaux pour générer vos profits. Je rappelle également que vous allez pouvoir tester nos signaux sur un compte démo avec un capital virtuel. C'est vraiment ce que je conseille à tous les débutants, c'est de d'abord s'entraîner sur un compte démo pour voir que les stratégies et les signaux fonctionnent avant de passer sur un compte réel. Donc si cela vous intéresse, cliquez dans la description ci-dessous avant la fin de notre offre. C'est une offre sans engagement, bien entendu. Et voilà. Donc maintenant que c'est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet. L'ADX est-il un excellent indicateur pour pouvoir trader efficacement? Comme je vous l'ai dit, la réponse est non. Je vais vous montrer exactement comment utiliser l'ADX. Donc pour ce faire, je vais aller sur un graphique vierge, puisque celui-ci est déjà bien entamé. Je vais aller sur un nouveau graphique. Je me suis mis sur le GPB/JPY en format 1 heure. Et je vais venir ici rajouter, donc pas ici, ici, je vais rajouter donc l'ADX. Alors ADX, hop, et voilà. Donc pour que vous puissiez mieux voir, je vais me mettre en grand écran. Voilà, donc l'ADX, concrètement, c'est un indicateur qui est censé vous montrer les retournements de tendance et en même temps un indicateur qui vous montrera s'il y a du momentum à l'instant T où vous voulez placer vos trades, s'il y a de la volatilité. C'est donc un indicateur qui, sur le papier, a beaucoup de potentiel, puisque techniquement, vous pourrez passer vos trades exactement quand il le faut, tout en étant sûr d'avoir suffisamment de volatilité pour pouvoir générer des gains rapidement, puisque le plus gros danger que vous pouvez avoir en trading, c'est de placer des trades quand il y a très peu de volatilité. Quand il y a très peu de volatilité, je vous montre un exemple juste ici. Donc entre 17h et 9h du matin, il y a eu très très peu de volatilité sur le GPB/JPY, donc la livre sterling contre le yen japonais. Ça signifie que si vous aurez placé vos trades à cet instant, vous aurez été perdant, puisque quand on est en situation de range comme ici, la courbe de prix, elle ne monte pas vraiment, elle ne descend pas vraiment. Donc ça va être très difficile d'être profitable, d'être rentable sur une telle séquence. Ce qu'il vous faut, c'est vraiment avoir des séquences où il y a beaucoup de volatilité. Si vous prenez des trades ici, que ce soit un trade à la hausse ou un trade à la baisse, vous êtes perdant, malheureusement, ou en tout cas, vous êtes en break-even dans le meilleur des cas. Et ça, c'est parce que à cet instant, il y a eu très peu de volatilité. Quand il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de tendance haussière ou
baissière, on est en range. Comment déterminer justement si, quand on vient placer ces trades, eh bien, s'il y a suffisamment de volatilité, s'il y a beaucoup de volatilité ou s'il y a très peu de volatilité? Eh bien, ici, l'ADX va être parfait pour cela. Encore une fois, je vais vous éviter l'explication mathématique, les calculs mathématiques sur lesquels sont basés des indicateurs comme l'ADX, puisque ça ne va pas vous intéresser. Ce qui va vous intéresser, c'est comment vous allez pouvoir tirer profit de cet indicateur. Et bien, c'est très simple. Vous voyez la courbe ici, la courbe jaune, c'est cette courbe que l'on appelle l'ADX. On voit bien qu'il y a trois courbes ici. Ces trois courbes sont composées donc de l'ADX, qui est la courbe jaune que je vous ai montrée, et vous avez le DI+ et le DI-. C'est ce qu'on appelle le DMI. Ce sont des indicateurs qui vont vous permettre techniquement de détecter les retournements de tendance. Mais ça, on va le voir un peu plus tard dans cette vidéo. Ce qui va vraiment nous intéresser ici, ça sera l'ADX proprement dit, à savoir la courbe jaune ici. Quand la courbe est supérieure à la valeur 20, comme ici, cela signifie qu'il y a beaucoup de volatilité. Ça signifie que vous allez pouvoir placer des trades sereinement. Exemple. Je vais tracer une ligne de tendance, enfin je vais tracer une ligne juste ici. Donc là, j'ai placé une ligne au niveau 20 pour que vous puissiez mieux visualiser. Quand la courbe jaune ici est supérieure à la ligne 20, que j'ai matérialisée ici avec une ligne bleue, ça signifie qu'il y a beaucoup de volatilité. Et donc si vous placez des trades quand cette courbe est supérieure à la ligne 20, eh bien, vous allez pouvoir surfer sur de belles vagues. Okay, vous savez que effectivement vous aurez de belles vagues. En revanche, quand la courbe est inférieure à la ligne 20, ça signifie que la volatilité devient de plus en plus faible. Et donc du coup, plus elle descend en dessous de la ligne 20, et plus la volatilité va être faible, et donc plus vous allez faire face à une situation de range. On voit ici que la courbe elle redémarre, et comme par hasard, on voit que l'ADX commence lui aussi à redémarrer. De plus, quand la courbe jaune est en dessous des autres courbes, donc la courbe verte et la courbe rouge dans mon exemple, cela vient renforcer le manque de volatilité. C'est-à-dire que plus la courbe elle est basse et plus la volatilité est faible, et si la courbe est vraiment en dessous des deux autres courbes, ça signifie que la volatilité est au plus bas, et donc du coup c'est une mauvaise idée de venir investir. Si vous placez vos trades quand la courbe est à l'intérieur des deux autres courbes, cela peut encore le faire techniquement, mais idéalement il faudrait que la courbe soit supérieure à la ligne 20. Mais si cette courbe est inférieure à la ligne 20 et aux deux autres courbes, alors vous devez éviter de placer vos trades. En revanche, quand la courbe est supérieure aux deux autres courbes, ça signifie que la volatilité est à son maximum. Alors il faut que je précise quelque chose, c'est que la courbe ici, l'ADX, la courbe jaune, ce n'est pas un indicateur de tendance. C'est-à-dire qu'elle ne va pas montrer si la tendance est haussière ou si la tendance est baissière. Elle va simplement montrer la puissance de la tendance, à savoir s'il y a beaucoup de volatilité ou pas. C'est tout. Ici, on est dans une tendance à la fois baissière et haussière, et la courbe reste au-dessus. C'est juste pour signifier qu'il y a beaucoup de volatilité. Et donc, si on place des trades à cet instant, on va pouvoir surfer sur de belles vagues. En revanche, quand la courbe est en dessous non seulement de la ligne 20, mais également des deux autres courbes, techniquement, ce n'est pas une bonne idée de placer ces trades. Même si ici, on voit qu'on a affaire à une tendance haussière, l'ADX nous déconseille vivement de placer nos trades. Et effectivement, ici, on a une tendance haussière, mais une tendance haussière qui a pris beaucoup de temps pour pouvoir se développer. Elle a pris plusieurs jours pour pouvoir se développer. Ce qui sous-entend qu'effectivement la volatilité était à son plus bas. D'accord? Si je prends une autre action, je peux aller par exemple sur l'US 30. Alors du coup, je vais venir rajouter ADX. Hop. Et voilà, je vais retirer rapidement la MACD. On a la ligne 20 qui est à peu près ici. Et l'avantage avec l'US 30, c'est qu'on va souvent être au-dessus de la ligne 20, puisque vu que c'est l'indice américain, il y a pas mal de volatilité sur les actions américaines. Du coup, il y a pas mal de volatilité également sur l'indice américain. Okay, donc là, ma ligne 20 sera à peu près ici.
Voilà, et on voit bien que la ligne jaune, elle est vraiment bien au-dessus de la ligne 20, et qui plus est, elle est au-dessus très souvent des deux autres courbes, la courbe rouge et la courbe verte. Autrement dit, on a de belles opportunités de trading, en tout cas si on vient se placer ici à la hausse comme à la baisse, eh bien, on aura beaucoup de volatilité. Imaginez que vous étiez un surfeur, grâce à l'ADX, vous saurez à l'avance si la vague sur laquelle vous allez vous positionner, elle sera énorme ou pas. Ici, on a une forte tendance baissière, ok, avec d'excellents points d'entrée. Comme ici, on a un bon point d'entrée ici, on a un bon point d'entrée ici, ok. Et ensuite, quand on passe en tendance haussière, on voit que la tendance est vraiment puissante, avec un bon point d'entrée ici, un bon point d'entrée ici, avec presque 1000 pips ici en 3 jours, ok. 1000 pips, c'est énorme. Ici, on a presque 600 pips ici en une seule journée, en 18 heures. Ici, on a 634 pips, 654 pips en à peine une journée. Donc, ça montre vraiment la puissance de la tendance ici quand on compare justement au JPBY, où là, en une seule journée, on aurait eu seulement 100 pips, ok, en une seule journée. Donc, ça montre à quel point la volatilité ici est faible, d'accord? Donc, 31 pips en 16 heures contre plus de 400 pips en 17 heures. Donc, l'ADX est vraiment puissant pour vous montrer la volatilité d'un titre quand, à l'instant T où vous venez placer vos trades. Donc, personnellement, comme je le conseille à mes élèves dans le programme complet, quand l'ADX est en dessous de la ligne 20, ne placez pas de trade. Encore un autre exemple sur l'euro USD, je vais venir ajouter l'ADX. Hop, ADX, ADX, ADX. Voilà. On a une volatilité qui est maximale avec de belles séquences haussières. Regardez ici les belles séquences que l'on a. Maintenant, vous allez me demander à quoi servent ces deux autres courbes, la courbe verte et la courbe rouge. Et bien, ces deux courbes, ce qu'on appelle le DMI, elles servent à indiquer les retournements de tendance. Quand la courbe verte croise à la hausse la courbe rouge, ça signifie que techniquement, vous avez un retournement de tendance. Comme on le voit ici, on a la courbe verte qui est passée au-dessous de la courbe rouge et on a un retournement de tendance. Okay? Quand la courbe rouge, elle croise la courbe verte, alors on a une tendance baissière. Quand la courbe verte est au-dessus de la courbe rouge, alors on a une tendance haussière. Et comme vous le voyez à l'image, en termes de retournement de tendance, il y a beaucoup mieux comme indicateur. Ici, vous avez beaucoup, beaucoup de faux signaux. Et donc, si vous avez une stratégie qui est basée sur l'ADX, pour les retournements de tendance en tout cas, vous allez exploser votre compte, vous serez sorti du marché très rapidement. Sincèrement, l'ADX en termes d'indicateur de tendance, c'est un mauvais indicateur. Regardez ici, on a la courbe rouge qui est au-dessus de la courbe verte, et pourtant, on a une belle phase haussière. Et le temps que la courbe verte elle passe au-dessus de la courbe rouge, on a déjà perdu une grosse vague haussière. Et si on s'était placé ici à la baisse, on aurait été perdant. Pareil, juste ici. On a une vague haussière, et là on passe en tendance baissière, et pourtant l'ADX nous montre que nous sommes toujours en tendance haussière alors que l'on est déjà passé à la baisse. Et des exemples de faux signaux comme ici, je pourrais vous en montrer plein. Tantôt ça fonctionne bien, tantôt ça ne fonctionne pas bien. Sincèrement, en termes de taux de réussite, l'ADX aura un taux de réussite inférieur à 50%. Du coup, avec une stratégie basée sur l'ADX, vous aurez moins d'un trade sur deux qui sera gagnant. Donc, si vous avez un mauvais money management, un mauvais ratio risque-bénéfice, vous allez être perdant tout simplement avec l'ADX. Donc, on peut faire beaucoup mieux en termes d'indicateurs. Voilà pourquoi je n'utilise pas l'ADX dans le programme complet FXCR. Comme ça répond à la question de pourquoi je n'utilise pas cet indicateur. C'est parce que c'est un mauvais indicateur de retournement de tendance. En revanche, il est impeccable pour montrer la volatilité. Du coup, vous saurez s'il est utile de placer un trade à l'instant T où vous analysez votre marché. Si je me mets en 15 minutes, je vois que je suis bien au-dessus de la ligne 20. Parfois, on peut monter à 25, hein, ça va dépendre des traders. Moi, je préfère me baser sur la ligne 20. On a eu donc une belle séquence haussière ici. On voit que là, ça commence
à redescendre. Et c'est tout à fait normal puisque si le week-end, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de volatilité. Donc forcément, on est en baisse. Par contre, quand les marchés ils vont réouvrir, à ce moment-là, l'ADX va remonter. Tant qu'il est au-dessus de la ligne 20, vous pouvez placer vos trades. Quand il est en dessous de la ligne 20, évitez de trader. Comme ici, par exemple, on voit que de 17h à 4h du matin, nous étions en dessous de la ligne 20 et c'est normal puisque les marchés européens et américains étaient fermés. Forcément, il y a beaucoup moins de volatilité, beaucoup moins d'opportunités. Donc, si vous n'êtes pas membre du programme complet, retenez bien, évitez l'ADX. Ce n'est pas un bon indicateur pour pouvoir pour pouvoir élaborer vos stratégies. Vous pourrez vous en servir uniquement pour déterminer la force de la tendance, s'il y a beaucoup de volatilité ou s'il y a très peu de volatilité. Mais en aucun cas, vous ne devriez utiliser l'ADX pour déterminer s'il y a une tendance haussière ou s'il y a une tendance baissière. Sur le long terme, vous allez être perdant avec cette stratégie. Voilà, donc je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour les membres du programme complet, vous aurez dans la partie cas pratique l'analyse de mes trades de la semaine. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, vous pouvez le faire en cliquant dans la description ci-dessous. En attendant, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt!